Shalom, shalom à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ du monde entier. Je viens ce matin vous saluer et je viens ce matin vous encourager parce que j'ai un petit message pour vous afin que cela soit votre partage durant toute la semaine qui va commencer. Et j'aimerais avant tout vous rappeler que nos frères, les Israélites, ils sont en guerre. Et la Bible déclare, « Béni soit celui qui bénit Israël, et maudit soit celui qui maudit Israël. » Et lorsque le peuple d'Israël est attaqué, c'est l'épouse entière qui est attaquée. Nous voulons ainsi vous rappeler de ne pas oublier de prier pour Israël. Parce que notre bénédiction est attaché à leur bénédiction. Et nous sommes Israël spirituel et eux, ils sont Israël naturel. Alors, par cette occasion, j'aimerais vous lire le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 1er, et j'aimerais lire à partir du verset 7, afin que ce verset vous accompagne durant toute la semaine qui va bientôt commencer. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les sensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Le verset 10, mes frères, il est dit, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Voilà, chers frères et sœurs, le petit message que le Seigneur a mis ce matin dans mon cœur pour l'épouse de Jésus-Christ du monde entier. Et je veux que ces bénédictions soient partagées non seulement à ceux qui sont autour de vous, mais c'est un message qui concerne le corps de Christ, l'épouse de Jésus-Christ dans le monde entier. Que les bénédictions du Saint-Esprit reposent sur vous durant toute la semaine et que les bénédictions du Saint-Esprit reposent sur vous durant tout le mois. Et que les bénédictions du Saint-Esprit vous assistent à l'école, vous assistent au travail, vous assistent partout où vous serez à partir de ce dimanche. Shalom, shalom, shalom. C'est votre apôtre Séraphin Monsengo qui vous parle depuis Libreville. Shalom, shalom, shalom.